C'est merveilleux l'autre. Il n'est pas question de se priver du miracle, comme dit Lévinas, de l'autre. Mais pour être avec l'autre, faut avoir compris des choses en soi. Si tu n'as rien compris en toi, si, comme dit Simone Veil, tu ne t'es pas élucidé un minimum, qu'est-ce que tu vas comprendre de l'autre? Tu ne comprendras de l'autre que ce que tu as vaguement compris de toi. Tu n'as de sympathie avec l'autre que ce que tu as accepté de sympathie avec toi. Une véritable sympathie, pas une relation mondaine. Mon affection pour l'autre ne peut pas ne pas dépendre de ce que j'ai accepté d'aimer un peu en moi. Car si je ne connais rien du tout de moi, et si je ne sais pas qui je suis, je vais être dans un tel état d'incertitude, de non-présence, que je vais rien voir dans l'autre, car je vais voir dans l'autre. Ça, la phrase de Nietzsche est admirable. Je ne vais voir dans l'autre qu'une confirmation de moi. Je vais l'utiliser, l'instrumentaliser, pour en faire un spectateur. Et non pas une rencontre.